fumer moi yo raison qui fait moi réunir là moi t'a bien aimé c'est Eliana avec c'est Melissa là tout mais yo sorti comme l'aime t'a fait présentation baby Astonis là oh. Et dada petit c'est passé moi tu veux dire que ça monte là. Bon c'est là de arriver avec mon frère Jo et l'aime t'a fait présentation on connaît. C'est là, je suis bien, mais voilà, mais quand là, on parle avec nous. Pour moi, quand on a pensé avec mon frère Jo et M. Eduardo et frère Eneldo tout, et nous avons dit, mon petit Jean déconnecté sous mon Dieu, je suis connecté pour lui. Je suis connecté et je suis prêt à faire en charge de la première fois. Nous connaissons. Ce qui fait que je suis déconnecté, c'est Astonis, mais pour lui, moi avec c'est Astonis, nous pensons ensemble encore. Oh! Bon Dieu bénis nous, grâce, bon Dieu couvre nous. Nous comptons pour nous rentrer la caou dans le ça et surtout avec une émission spéciale sur le mont. Je dis à nous un sujet qui est vraiment intéressant, c'est les combats des jeunes chrétiens de ce siècle pour rester attachés à Jésus. Ses amis ou ses frères, Noël Morab, nous, bon Dieu, relez-nous comme prophètes, nous persévérons dans l'Assemblée évangélique OREB, qui est dirigée par le révérend apôtre Lolo Laurent et pasteur Rémi Madi. Nous comptons dans le ça pour nous là, dans chose ça, pour nous capables et partager quelque chose qui est extrêmement important ensemble avec vous, surtout qui a rapport avec le ministère, qui a rapport avec la spiritualité. À noter que, songez ça qui t'est passé sur le mont Horeb, qui ça, qui expérience élite fait sur le mont Horeb. Je pense que ce moment ça a pour un moment béni. Avant nous entrer, ou bien avant nous aller plus loin, on nous la prière. Père, merci. Merci pour grâce, merci pour moment ça. Merci pour chaque grain de monde, alléluia, qui pral garder chaud ça ou bien qui pral prend amen un moment spécial, alléluia pour bénir ensemble avec nous. Non le ça père nous bénis non. Merci Seigneur pour serviteur là, pour notre invité de ce jour. Merci pour la ville, merci pour grâce ou fait. Merci pour investissement ou fait dans la ville. N'a pas de s'il vous plaît, permettre que moment ça soit un moment béni, permettre que moment ça soit un moment spécial. D'ailleurs, dit dans parole au profondeur de la sagesse, de la science, de la richesse de Dieu, que tes jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Père, nous disons merci. Merci parce qu'au présent. Merci parce que Saint-Esprit là. Merci parce qu'il pourra toucher chaque grain de monde, non seulement qui est en gain Jésus dans la vie, yo, les pral édifier, yo, mais également chaque grain de monde qui peut faire la paix, qui peut recevoir comme sauveur personnel. N'a pas de s'il vous plaît, Père, accompagnez-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Encore une fois, nous saluons, nous comptons pour nous rentrer la caillou. Bienvenue sur le mont Horeb. Bon Dieu bénis nous. Jodi a li permettre que nous gagnons ensemble avec nous. Yon serviteur de Dieu, yon fils de Dieu, yon évangéliste, évangéliste malheur lui. Serviteur, bon Dieu béni, comment nous sommes contents pour nous recevoir, bienvenue. Amen. Et grâce, bon Dieu, couvrez-vous. Amen, shalom, shalom. Seigneur, béni, homme de Dieu, nous sommes vraiment contents, nous vraiment émus. Alléluia. Pour que nous sommes capables de participer à l'émission. Si là. Comme on déjà dit, moi, c'est frère Marle, lui, moi, appelé dans le ministère comme étant évangéliste. Nous persévérons dans le ministère frère en Christ de Bidjamea, pasteur, nous, c'est pasteur Aurélien. Il faut que nous profitions de saluer dans l'émission. Si nous croyons que nous allons passer un moment extraordinaire parce que la présence de bon Dieu est là. Alléluia, non, bon Dieu, levé, gloire à Jésus seul, Père, nous saluons, nous sentons nous contents, c'est une joie, même Jean-Serviteur d'Abdil, chaque fois où dit m'en aller dans la maison de Dieu, me sentons content, c'est une joie, et me sentons vraiment joie à déborder. Serviteur, bon Dieu, relo comme évangéliste, est-ce qu'on a dit non en quelques minutes, et comment tu recevo appel là? Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas qu'être monde tout, et soit qui l'église déjà ou bien qui gon appel soit bon Dieu relé ou également comme évangéliste mais jusqu'à présent qui ka poko ka identifier vraiment comment bon Dieu relé un monde comme évangéliste. Déjà merci pour la question. Nous croyons que c'est une très bonne question. M'suis capable de dire pour appel moi dans le ministère moi gain près de 10 ans passé que le Seigneur fait appel avec moi comme étant évangéliste.
c'est pour la première fois que moi pral conscient de ça, c'est par rapport avec un groupe de jeunes dans l'église, moi côté que pasteur t'est convoqué yo pour te passer 2 semaines sur la montagne parce que tu as une froideur spirituelle dans l'église. Ça veut dire pas de gain vie, pas de gain cap dit des manifestations de la présence de Dieu. Puis pour cela pasteur dit bon, jeunesse n'est supposé monter sur la montagne chaque 4 du matin. Il y en a marché à chercher les autres la caillou malgré tu vraiment gain turbulence à l'époque, mais Seigneur a fait grâce nous aller sur la montagne. Donc pour moi résumer histoire là, dans dernière cap dit dans dernier moment que nous étions sur la montagne t'a jeûner et puis c'est pour la première fois que me va vivre y a une mouvance de l'esprit côté que gagné des jeunes qui va remplir et manifester par l'esprit de Dieu. C'est là que je des jeunes qui prophétiser pour la première fois. Alléluia. Des jeunes qui a parlé en d'autres langues, des jeunes qui apporté des messages qui viennent de Dieu. Donc c'est à partir de là pour une jeune fille pour la première fois que l'esprit de Dieu saisit dans dimension pareille comme tu vivre lien. Et puis il t'a prophétisé pour plusieurs monde et puis il t'a prophétisé pour moi, il dit bon bon Dieu relé comme étant évangéliste ou bien pour prêcher et vers les nations etc. Et puis il était vraiment étonné, un peu monde étonné parce que on était toujours attiré par la prédication. Moi même lorsque on a prêché, moi même lorsque on a enseigné à l'époque et puis il pral dit ça. Et puis depuis je crois que 2015-2016 mon message là et puis on continue dans la prière et puis après d'être nous venu ici en République dominicaine et puis bon Dieu pour parler ensemble avec moi personnellement et moi dans l'église que moi ayant et puis moi c'est un me cap dit c'est comme un homme de Dieu, c'est image ça que bon Dieu prend, c'est comme un homme de Dieu qui vient prêcher l'église là et puis il gagne des sécurités qui ensemble qui avec lui accompagner lui et puis on rentre l'église là. Du coup, il y a une atmosphère qui accompagne tout le monde, senti une présence qui est étrange qui entre. Et c'est à partir de là, il y a cité dans plusieurs mondes qui l'église là, que moi connais, il y a le docteur Ricardo, il y a le diaconès Nathalie, et puis, nous avons des voix qui dit évangéliste Myler. Gloire à Jésus. Marilo, il dit suive-moi. Même dans le naturel, moi son monde qui croit dans marche dans autorité, parce que l'église était là, mon garde pasteur me dit pasteur, est-ce que me dois suivre un tel prédicateur ça? Pasteur dit moi bon accès suivre lui. Et c'est là m'a rêvé, me dit waouh. Gloire à Jésus. Bon Dieu relève dans le ministère, m'a confirmé que bon Dieu relève. Et puis après ça, il confirmé ça par des autres servantes, l'autre serviteur qui prophétisait, qui toujours appel dans sous la vie non. Et puis à partir de là, nous yo imposé nous les mains, bien que nous beaucoup vraiment ordonné légalement dans le ministère, mais au présenter nous comme étant évangélistes, yo prier pour nous parce que la Bible déclare que bon Dieu dit mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que li relé ouais, et puis yo t'est imposé aux les mains. Donc yo nous dans stade, nous dans apprentissage jusqu'à présent. Alléluia. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, on a continué à avancer et nous croyons que le Seigneur il gagne de grandes choses que Dieu veut faire au travers de nous-mêmes. Alléluia. Nous bénissons, bon Dieu, nous sentons son bénédiction pour le corps de Christ. Amen. Ou son bénédiction pour le corps de Christ. Nous sentons réellement le travail qu'on a fait à même et sur réseau, yo, plusieurs côtés. Nous sentons, bon Dieu, à fond pile grâce. Mais généralement, bon Dieu, il est comme évangéliste. Nous vivons dans la société ou bien nous vivons dans un monde actuellement côté qui a une connotation avec évangéliste. Et me connais tout chaque homme de Dieu bon Dieu relé un message que au porter peut-être pour même par rapport avec appel ou qui sont comprendre qui est évangéliste parce que j'aime dire yo une connotation que au bail en pile fois yo monde qui évangéliste c'est comme si son monde qui gon caractère qui gon type de message que la marché prêcher soit dans assemblée ou bien le gon comportement ça m'a dit là peut-être c'est comme ça en pile monde ou bien société en comprendre ni c'est comme si on évangéliste son monde qui là pour le craser pour le chirer pour le fan. Peut-être qui définition personnelle de évangéliste et qui message et que vous portez tout de manière personnelle par rapport avec appel là parce que chaque grand monde bon Dieu il baille un message tout et personnel. Alléluia. Encore merci pour la question. Pour question évangéliste, qui ça qui est évangéliste si nous pouvons aller de manière scripturaire ou bien ce que ça la Bible dit
dans Éphésiens chapitre 4 le verset 11, il dit Jésus-Christ fait appel avec les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Il dit c'est pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire c'est pour mener un peuple bon Dieu ou encore le corps de Christ à la perfection. Ça veut dire lorsque un monde est converti, on n'a pas quoi atteindre la perfection, il fallait que monde il y a des hommes de Dieu, il y a des mentors, il y a des guides, il y a des pères et qui fait partie de cinq dons ministériels ça pour que l'église soit capable d'atteindre la stature parfaite de Christ. Donc pour moi-même, l'évangéliste, c'est quelqu'un qui porte un message de la bonne nouvelle. Parce que c'est quoi l'évangile? Donc l'évangile par définition c'est la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, de base, il y a un évangéliste, c'est un monde qui est doté de une mission pour prêcher mon Christ. Donc, ce n'est pas quelqu'un comme ça qui a prêché ça qui a passé dans la vie de l'autre monde ou bien qui a prêché des choses d'actuel ou bien qui a fait actualité. Ce n'est pas un monde qui a prêché un message piqué. Alors, il n'est pas forcément. Il y a un évangéliste, c'est un monde qui est doté d'un message, numéro un, un message d'amour. Parce que la mission de l'évangéliste, c'est pour attirer les païens vers Christ. Donc, il y a un monde qui a attiré les païens vers Christ, n'est pas forcément pour que les gon message qui pourrait pousser les païens vers le diable. Donc, c'est bien plus le contraire, vous comprenez? Donc, c'est un monde qui a prêché avec l'amour et qui a prêché Christ. Message évangélisant supposé basé sur Christ. Christ est mort, Christ ressuscité, Christ a venu chercher nous. Yes. Donc, lorsque un monde comprend le message en tant qu'évangéliste, de base, c'est ça, c'est prêcher le Christ, le véritable, pour le salut de plusieurs. Puis, comme message que je recevrai personnel, moi, je crois que... Il y a surtout comme message au poté, parce que chaque homme de Dieu, il y a un type de message au poté. Exactement. Moi, même message pas, que je porte, je crois que il est vraiment pile, mais en spécificité, c'est comme une aide. Parce que moi, j'entends clairement dans les oreilles, moi, côté que dans vision, et un homme de Dieu qui un homme de Dieu que moi apprécié jusqu'à présent qui c'est évangéliste Tony, ils sont évangélistes de ministère et puis pendant que me tenais en vision moi que c'est moi était dans espace que moi prend repos alors que moi prend repos comme ça homme de Dieu apparaît il dit ou pas qu'on est bon Dieu relo pour aider monde dit what qui ça il dit bon Dieu relo pour aider monde ça veut dire en termes de message moi pour ton message d'aide pour consoler les affligés si là qui malade pour nous aider aussi là qui en bas en prise le diable pour que nous aider donc on cap dit c'est en résumé c'est un message d'aide et c'est ça que bon Dieu libère nous comme message donc li englobe en pile bagay mais c'est mot ça que bon Dieu te ban nous comme un monde qui là pour aider monde ou bien cap dit c'est comme un médiateur parce que nous connaissons le grand médiateur c'est Jésus-Christ. Mais les évangélistes, ils ont un rapport entre le monde et Jésus-Christ. Ça veut dire c'est évangélistes qui appellent ces saints pour être capables de prendre le monde pour être avec Christ. Ça veut Amen. Dire yes. Si Christ était médiateur entre Dieu et les hommes, et bien nous-mêmes, tous qui sommes des chrétiens, on peut dire entre parenthèses, nous sommes des petits médiateurs. Alléluia. c'est une révélation là. Hein? Ça veut dire nous, c'est. On cap dit si Jésus-Christ c'est chemin pour mener monde à joindre bon Dieu, nous même l'église ou bien nous même les évangélistes, nous c'est chemin qui pour mener le monde vers Jésus. Oh yes, si yes, Jésus yes, a attiré yes. Le monde vient joindre le Père, nous même qui c'est évangélistes, nous avons mission pour nous attirer le monde vers Jésus. Alléluia. Me senti ça dit à la grand pile évangéliste qui t'a doué tendre et nous espérons que bon Dieu fait grâce et grand pile évangéliste qui t'a doué joindre message ça. Exact. Parce que wow, me senti on parler là dans l'autre dimension, me senti on parler là dans l'autre niveau. C'est important pour qui raison parce que après de nos jours grand monde qui perd le qui vraiment comme si gon pérèse par rapport avec le ministère de l'évangéliste pour qui raison, c'est parce que qui en pile évangéliste qui cap dit entre parenthèses qui désordre et qui presque pas d'information, qui presque pas respecter cap dit protocole etc. et tandis que et si que ministère évangéliste c'est pour attirer monde vers Jésus-Christ, je pense que un évangéliste a supposé un monde qui est très formé, un évangéliste a supposé un monde qui est très éduqué. Pour qui raison? Parce que il a une mission pour le fouiller même dans le monde, pour le porter monde vers Jésus. Yes, alléluia, amen. Donc on va dire là qui vraiment attire attention, non? Surtout on parler de médiateur.
Ça vraiment attirer attention nous parce que généralement nous vienne comprendre clair tout, c'est comme si évangéliste là, il vient entre le monde Jean Tabdil là. Avec Jésus parce que c'est lui-même qui pourrait aller dans le monde pour le venir pour le ramener. Donc par rapport avec ça, qui plus gros expérience au fait et avec bon Dieu, on appelle ça. Moi capable de dire par rapport avec expérience que nous fait plusieurs expériences. Surtout spirituel parce que là c'est comme si mon évangéliste n'était qu'à dire son monde cap jouer dans deux camps non sens c'est comme si la dans la spiritualité les deux mondes exactement christique ça veut dire ils sont chrétiens donc c'est l'allié mais quelque part tout l'obligé rentrer dans le monde là des fois si le jeune monde qui en bas griffe diable est obligé à le prendre à le prêcher donc peut-être qui plus gros expérience au fait par rapport avec ça parce que j'aime venir comprendre bientôt me venir comprendre est extrêmement fragile. Exactement. Mon cher, par rapport avec et homme de Dieu, merci pour encore pour question. Par rapport avec expérience que nous fait plusieurs expériences dans le ministère, mais parmi eux que nous avons partagé ensemble avec nous, moi songe lorsque moi j'étais fait et rentré dans l'appel, là, moi j'étais vraiment commencé à fond dans le ministère et puis t'es gay on servant de l'église donc t'as besoin d'accepter Christ, mais il était conservé des choses qu'a dit satanique etc et image taillée tout ça et puis parce que l'église a dit bon et puisque pas gain l'autre on sait que l'homme de Dieu qui qu'on a le prier avec Jean de Montsario donc pas fait partie de ministère intercession ou bien monde qui qu'on a le prier pour Montsario et il dit comme étant évangéliste on va le prier pour Montsario et puis bouler toute sa joie etc et puis c'était pour la première fois on va aller pour compte moi à faire une expérience pareille qui pas rien en Christ nous connaît ça c'est des choses et qui il y a comme si peu de choses pour Christ mais puisque c'est ton expérience elle ne fait qu'à commencer et puis lorsque nous rentrer la caille d'âme ça alors que nous rentrer m'était accompagné avec un autre serviteur et puis nous déposer pied nous dans caille seulement automatiquement tes grand esprit sous d'âme les manifester waouh et nous t'ai prier pour l'église pas de rien qui t'est fait mais pendant que nous rentrer dans caille seulement les grand esprit qui manifester sous alléluia et pendant l'esprit manifester et puis nous commençons à prier pour Damien et puis le Seigneur t'a délivré Damien nous alors le pasteur dit nous les gars magali va le bouler il te seulement dit faut aller prier la caille pour que il te capable prendre Christ mais bon Dieu fait lorsque il arrive la caille nous découvrir que il y a des choses qui pas fait bon Dieu plaisir et puis pendant t'a prier pour il te gain des esprits sous lui tout qui était tout sorti bon Dieu t'a libéré lui m'était vraiment sentiment ému parce que m'pas penser m'dépasser c'est forcément prier pour nous prier pour lui pour que l'esprit ait manifesté, mais nous t'es seulement rentré dans la maison tout simplement, et puis l'esprit a commencé à manifester, et puis bon, je t'ai libéré dans ça. Pour moi-même, et comme il y a un évangéliste qui t'a fait commencer à l'époque, je t'ai vraiment ému, je t'ai vraiment glorifié Jésus-Christ par rapport avec ça. Mais il y a un paquet d'autres expériences pendant le parcours, nous t'ai partagé, mais je choisis de partager ça. Alléluia, gloire à Jésus. Me senti un moment vraiment, me senti une chaleur, même croire que et me senti pas devoir parler à tout certainement quel que soit monde qui t'a sous même en prise là, seulement gain possibilité pendant y a regarder non bien pendant y a attendre nous seulement gain possibilité gain bagarre qui pour faire pour nous parce que nous croire que n'a servi un bon Dieu qui pas gain limite. Clair, la Bible déclare dans Jean 6 63, Jésus-Christ dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oh, alléluia. Amen. Ça veut dire yon monde pas besoin d'un studio pour que les bénéfices de sa cap dégager. Yes. Parce que la parole de Dieu, c'est l'esprit et la parole de Dieu porter la vie. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Et un homme de Dieu qui s'est apôtre Amel Lafleur, que moi-même, il font une déclaration, il dit lorsque la grâce impose, l'onction n'a pas de frontières. Ça veut dire si que un monde gagne la foi seulement pendant que main on a Dieu, il y a des choses qui passent. Alléluia. Je crois ça. Et monsieur, c'est un moment, ça donne un moment béni. Quel que soit le monde qui peut regarder là, n'importe qui le, n'importe qui moment, même après 5 ans, après 10 ans, monsieur, c'est un bagage qui doit faire. Parce que il y a un bagage qui doit rester. Et parce que Jean va dire, parole là, c'est esprit et vie. Exactement. Et aussi longtemps Jésus vivant, pas gagné, aussi longtemps la croix puissante, l'évangile réel, pas gagné qui a éteint vie qui gagne la parole, ça que nous avons prononcé, parce que ce n'est pas parole réellement qui sortit de nous. Exactement. Gloire à Jésus. Nous avons un sujet qui est extrêmement et extraordinaire. Nous avons un sujet qui est vraiment, riche, qui c'est combat jeune chrétien pour être capable d'être attaché avec Jésus. Donc, certainement, qui ce sujet ça a dit ou qui ce sujet ça a inspiré? Le sujet ça a inspiré plusieurs bagailles. Les
c'est un sujet qui vraiment important pour tout jeune. Pour qui raison? Parce que nous avons tant côté que et grand pile monde, bien que bon Dieu commence à faire grâce, grand pile changement, mais grand pile monde qui pas croire dans jeune. Grand pile monde qui pensait que grand pile jeune et même si au l'église yo pas converti vrai. Grand monde qui dit bon jeune pas qu'à faire l'évangile. Mais par rapport avec un sujet comme tel, parce que et gain plusieurs vérités que le Seigneur a fait grâce pour que nous partager avec et des monde qui te gain des mythes entre parenthèses et par rapport avec jeunes et puis pour que capable gain des lumières concernant yon jeune li possible et li capable servir bon Dieu. Alléluia. Mais nous sommes réellement jeunes yo très combattus. Mm-hmm. Peut-être gain des raisons pour ça, mais certainement, on vit dans un moment côté jeune, yo également, yo très combattu. Yeah. Donc, en fait, qui sont portés dans Jacques ou pour nous, par rapport avec ce sujet ça, nous pensons, nous vraiment remettre le A pour capable vraiment partager ensemble avec nous, ensemble avec tout le monde, cap garder, qui pral garder, moment ça, qui j'ai un jeune capable faire pour rester attaché avec Jésus par rapport avec Jean et l'ennemi a combattu, parce que la jeunesse sont force. Si l'ennemi arrive à atteindre la jeunesse, ben c'est certainement les grandes victoires qu'il a remporté quelque part. Et je pense que c'est pas bon avec eux tellement combattu qui viennent à cause que grand pile est tombé, qui permettent que grand mythe qui vient historique, qui vient faire comprendre que un pile monde, ils viennent pas quoi, jeune qui a fait l'évangile. Exactement. À la lumière de la Bible, donc a dit et bon Dieu intéressé avec jeune un pile. Parce que lorsque vous êtes jeune, vous êtes élève. Lorsque vous êtes jeune, vous êtes la vie, vous êtes futur. Lorsque vous êtes jeune, vous êtes espoir. Donc, jeune, vous l'avez dit en pile bagaille pour bon Dieu. Et voilà pourquoi il est très important pour que chaque jeune qui a attendu l'émission, ça, pour prendre ça au sérieux, pour comprendre. Et ça que nous avons dit là. D'abord, pour moi, commencer, je vais dire que si je me pose quelques problématiques, je vais dire il y en a. Le problème qui vient poser, c'est parce que il y a une crise d'identité. Le diable li relâche la caille chaque monde qui existait, surtout pour jeunes. Ou après de nos jours, ou après et sur les réseaux sociaux, ou après un pile jeune à chercher contre qui monde que yé, tellement gon vide dans jeune et gien tombé dans de plaisir et tomber dans une série de bagailles qui pas fait bon Dieu tout pour qui raison parce que jeune n'est attiré par le monde spirituel. Donc si que jeune n'est pas attiré vers Dieu, automatiquement le diable il a attiré jeune ça pour qui raison parce que c'est jeune yo qui a mission et mandat pour faire la relève. Apôtre Pierre dit jeune n'a gon force gain l'église qu'on dit jeune c'est fleur. Donc nous cap dit jeune pas seulement c'est fleur mais jeune n'a son force. Il faut faire connaître que dans la psychologie, il y a plusieurs types d'âge. Quand l'âge est monné, il a besoin de manifester quelque chose. Mm-hmm. Parce que tout le monde qui existe, il y a un bail ou un résultat qu'on suppose bail. Donc c'est pour cela que le diable comprend ça, il vraiment attaqué les jeunes dans ce sens-là. Ça fait moi dire que jeunesse est perdue. Alors, jeunesse est subie, ça crée une crise d'identité et qui pourrait déboucher sur un ensemble de besoins. Et dans la psychologie, il y a un homme qui était très puissant à l'époque, qui était Maslow, Abraham Maslow. Il décrit une pyramide, la pyramide de Maslow. Monsieur dit, dans la pyramide, il y a 5 besoins que l'homme supposé gagner. 5 besoins. Il dit, c'est besoin psychologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime et besoin d'accomplissement. Et dans besoin ça yo li montre que quel que soit monde qui existait ou gen un besoin en dedans ou gen besoin psychologique ou bien on va dire physiologique qui c'est un besoin de base ou gen besoin d'estime de soi ou gen besoin d'appartenance etc. Ça décrit complètement situation toute jeune yo gon besoin yo gon nécessité yo besoin estimé yo besoin gen estime de tête yo besoin yo besoin faire des relations, yo besoin konn qui est-ce que yo besoin konn qui ça supposé régler demain. Ça vient faire que le diable fait un pile jeune malgré le intellectuel mais il fou. Malgré le intellectuel, il a fumé. Malgré le intellectuel, il tombé
non série de désastres dans la société. Pour quelle raison? Parce que le plus gros problème d'identité ou bien crise d'identité jeune n'a gagné, c'est parce que le diable voulait déconnecter tout jeune vers Christ. C'est à partir de là que je dis que jeune n'a une crise d'identité par rapport avec un série de besoins que vous gagnez et puis ça vient faire que vous éloignez de Christ. Maintenant, le Seigneur lui-même, il a toujours un plan, il a toujours un programme pour chaque jeune parce que dans Joël 2, le verset 28, il y a une prophétie qui baille. Yes. Lorsque l'église a été inaugurée, amen. L'Esprit Pierre. De Dieu, libre mm-hmm. à descendre pour l'inauguration de l'église de la Pentecôte. Amen. Quand dit des premiers chrétiens, c'était le jour de la Pentecôte. La Bible dit, l'Esprit de Dieu descend dans l'espace-là. Et puis, monsieur commence à prophétiser. Monsieur Damien a prophétisé à la parole en langue, bien entendu. Et puis, il y a des gens qui pensaient que c'est des gens qui étaient sous cueillotés. Et c'est de là, c'est à partir de là que Pierre pourrait sortir. Il pourrait dire, monsieur, ça n'est pas Yves de Vindou. Yes. Mais bien au contraire, son prophétie qui était bâillée dans Joël 2, 28. Alléluia. Et c'est là, le diable conscient de ça. En plus, le chrétien n'a pas pris la Bible, mais le diable connaît la parole de Dieu. Le diable pas connaît la parole de Dieu en termes de connaissances pratiques, mais le diable, lui, c'est esprit, lui, doté de la connaissance de la parole de Dieu. Ça fait, lorsqu'il y a tenté Christ, il tente Christ à base de la parole. Voilà pourquoi il est plus que nécessaire pour un homme, une femme de Dieu, un jeune à l'époque, ça, des amis Bible. Amen. L'important, un jeune qui a servi mon Dieu par une Bible, ou pas, ou, pour moi-même, moi, un gros problème. Donc, Pierre Prel dit dans Joël 2, 28, c'était prophétie ça, que le prophète Joël Teba, il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, alléluia, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toute chair. My God. Il dit, vos fils et vos filles, il précisait, prophétiseront. Il va dire, vos jeunes gens auront des songes, vos vieillards des visions. C'est pour confirmer que dans le réveil fin temps, ce n'est pas seulement et grand monde, ce n'est pas seulement adulte, ce n'est pas seulement monde qui est ancien, mais le préciser, au prime abord, ce sont les jeunes. Yes. Donc, jeunes dans le lycée, ont outils stratégiques entre la main de Dieu pour réveiller l'église dans fin temps pour que Christ soit capable de retourner. Parce que la Bible dit quelque part dans Romains elle dit afin que la totalité des païens et grand totalité de monde qui doit attendre Christ là ait accès pour attendre les paroles de Christ là qui annoncé. Maintenant c'est un pile jeune qui pral doter de grâce bon Dieu, de faveur bon Dieu, de feu de l'esprit qui pral propager message ça. Et ça fois après même dans l'église nous y a pas et gagner en prophétie ça qui vraiment en vigueur pas vraiment dans le temps passé pas vraiment gagner des jeunes qui étaient apôtres des jeunes qui étaient prophètes regardez où sont jeunes prophètes où sont jeunes évangélistes. Est-ce que alors sans couper parole homme de Dieu est-ce que nous capable dire dans temps ça on a vivre réellement un temps côté que l'église la préparait dans dimension cultée ou bien dans dimension cultée le jour de la Pentecôte parce que j'en parle là c'est comme si m'a comprendre tout que gon paquet de bagay k'ap refè surface qui était enterré quelque part. Exact. Parce que et yo dit que non sujet, y en a partie qui très important dans sujet, c'est introduction. Donc, y en a partie qui important dans l'église, c'est introduction. Donc, yes. Gen sa que l'église primitive, Jean l'église a commencé à li important pour nous souligner. Il était commencé avec feu, il était commencé avec flamme. Yes. Et mais dans l'église finitive aussi ou pral joindre même ça qui t'est passé et il pral passer de plus grande parce que la Bible dit la gloire de la dernière maison dans AG2 alléluia il dit sera plus grande que la première donc ça qui t'est passé le jour de la Pentecôte il pas rien devant ça qui pral passer dans génération pas nous ça fait li important pour un jeune vivre dans consécration vivre en connexion avec Dieu parce que bon Dieu préparé une grâce spéciale pour lui. Étant moi même verbe yo utiliser aussi répandre. Waouh. Il dit dans les derniers jours je répandrai. Quand ça veut dire répandre, c'est comme si bon Dieu relâchait déjà. La gueule sans mesure, sans contrôle. Il relâchait. Mon gars qui attire attention dans texte ça. Il s'est dit sur toute chair. Toute chair. Oh my goodness. Moi mon gars qui attire attention mais qui kembe attention c'est parce que des fois qu'on a dans la prière, dans le moment de prière, on dit Seigneur, même son chair. Exact. Et où tu vas répandre sur toute chair, ça veut dire pas doit manquer ça. Dieu pas fait exception de personne. Wow. C'est vrai que il y a une phase sous jeunesse dans fin temps
Mais par contre, bon Dieu intéressé à tout le monde. Parce que ça fait de toute chair ce qu'on est, c'est parce que l'homme fait à base de image bon Dieu. Amen. Tout le monde qui fait, ou bien tout humain intéressé bon Dieu. Parce que les bon Dieu, ouais, même si vous n'êtes pas converti, li ouè li même nan ou même. Yes. Donc c'est ça qui fait que li intéressé, li obligé répandre sur toute chair. Li répandre, li relâche sur toute chair. Alléluia. Il suffit que ou conscient de cela ou marcher dans la droiture et puis l'esprit de Dieu fait de grandes choses. Ça veut dire homme de Dieu pour répondre à la question posée, le diable connaît prophétie sa bail. Ça gagne des années ou bien des centaines d'années et le diable focus li sou jeune en pile. Parce que jeune yon bagay yon représente nan fin tan sa pour l'église, pour le réveil final. Yes. Même jeune l'église primitive, li te commencé avec feu et flamme, et te gen multitude de moun ki te vin by Christ la vie, près de 3000, et bien kon sa tout pral gen de milliers de moun ki pral rentrer l'église par rapport avec des jeunes. Et ça fait le diable vraiment frappe jeune yon pile, gen pile jeune kap tombe, gen pile jeune kap chute, et kon sa tout gen pile jeune, bon Dieu a pleuvé nan tan. Parce que jeunesse là, ils sont cible. Jeunesse là, yes. Ils sont force pour bon Dieu. Alléluia. Nous bénissons bon Dieu parce que nous sentons qu'il a béni là, nous sentons qu'il a béni. Alléluia. Nous sentons son moment spécial et par contre nous même qu'à suivre ensemble avec nous dans quelle dimension on a béni. Même sentons qu'il y a pile parole qu'a dit là qui est important pour vous, pour capable d'entendre, pour capable non seulement entendre et mettre en pratique. Exactement. Parce que ça extrêmement important. Mais c'est vite jeune homme dit là, c'est que différents combats que la jeunesse doit mener ou bien doit gagner pour capable être attaché avec Jésus. Donc si nous pourrions aller de manière comment te dire ça très pédagogique 1 2 3 4, qui différents combats ou bien par exemple ou même pour être dans niveau ça ou bien pour kembe standard ça, qui combat que vous menez. Comment arriver à remporter la victoire? Quelles sont les techniques? Font-ils parler, révéler quelque part, ou bien partager avec nous quelques secrets qui gagnent dans la question ça? Dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 2, la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, yes. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Dans le siècle que nous y a, ils sont siècles qui vraiment piégés. Parce que Jean t'a dit, là, nous arrivons à l'heure de l'église finitive. Donc, c'est le moment côté que le diable il relâche tout dernier grand démon que le gagne. C'est même Jean tout bon Dieu relâche tout dernier ange puissant que le gagne. Donc, je ne connais en pile combat. Pour qui raison? Et c'est par rapport avec ça que bon Dieu gagne en tête pour jeune. Et puis le diable il voulait contrecarrer. Prophétie que bon Dieu relâche sous jeune. Mm-hmm. Maintenant, kounya là, ça qui est important pour répondre à la question. Hein, lorsque jeune yo comprennent dans qui siècle yo est, maintenant, pas vraiment gon technique en réalité pour yon moun li subsister dans fin temps ça. Donc, ça qui est beaucoup plus important et moi-même qui aide, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Non, mais l'éclair, la parole de Dieu dit tout que nul ne se prive. De la grâce de Dieu. Exact. Amen. Oui. Ça veut dire, même dans le titre, la Bible dit la grâce nous enseigne à renoncer aux impiétés, etc. Wow. Ou, c'est comme si vous voulez affronter ou bien vous voulez aborder ce sujet dans l'autre dimension. Parce que là, on parle de combat, on a plus voulu, ouais, quand on parle de les techniques de combat, comment on mène le combat, même on passe dans l'autre niveau là, ou rentrer avec de la grâce. Exactement. Ça veut dire, grand pile jeune qui, surtout pas qu'à faire l'évangile, parce que et yo t'ai enseigné non l'évangile qui mal surtout en Haïti et on cap dit ancien fait un pile bien comme ça fait un pile mal docteur nous yo fait nous un pile mal parce que yo présente un l'évangile qui gon caractère de loi et tandis que Christ lui présente non l'évangile qui gon caractère de grâce. De grâce, amen. La grâce n'est pas éliminer la loi mais la grâce li c'est on cap dit la grâce qui compléter la loi. Amen. Parce que la loi c'est ton pédagogue li montrer le péché mais la grâce alors la loi pas de bonne capacité pour pas obéir avec la force du péché. Mais la grâce, qui c'est Jésus-Christ même, qui c'est la personne de Christ, lorsque il vient non seulement pour le montrer au péché, mais pour le bonne capacité pour vaincre le péché. Alléluia. Et bien, on va pouvoir gagner un message que un peu l'homme de Dieu a prêché, qui bon en réalité, mais qui pas complet. Pour quelle raison? Parce que il y a un peu de monde qui plus signalé
plus indexer le péché. Le message de l'évangile, c'est pas pour en faire mention du péché. Ça fait surtout le message de l'évangile, c'est pas un message au prime abord de dénonciation, mais plutôt d'annonciation. Amen. Il y a une différence entre la dénonciation et l'annonciation. Mm-hmm. La dénonciation, c'est pas lui-même qui l'évangile en réalité. La dénonciation fait partie de l'évangile, du message de l'évangile. Mais c'est pas lui-même qui primordial. C'est pas lui-même qui primordial. Yes. Ça qui primordial là, de base, c'est la prédication de Christ. C'est l'annonciation. C'est un bagage extrêmement important parce que ça, yeah. Ça c'est extrêmement important. Question dénonciation et appréciation. Parce que généralement, n'a vivre longtemps côté majorité évangéliste, ils plus à le dénoncer. Ils plus dénoncer. Mais qui pas mauvais en réalité, mais si que c'est lui-même qui plus, comme d'a dit, pourcentage, c'est lui qui alors c'est lui qui a plus pourcentage, lui mauvais. Parce que mission principale, tout prédicateur net, pas seulement évangéliste, c'est un message de vie, un message de bonne nouvelle. Wow. C'est la prédication de Christ. Et, on va aller plus loin, il y a un monde qui a toujours prêché sur Abraham, il prêché sur Élie, il prêché sur Enoch. Vous n'avez pas changé. Vous pouvez fortifier, réconforter, mais vous n'avez pas changé. Peut-être. Mais lorsqu'on dit prêcher Christ, automatiquement, il y a un bagage qui le traverse. Parce que c'est dans Christ que nous jouons la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Yes. Nul ne vient au Père Amen. Que par moi. Et moi, je voulais annoncer message ça avec nouvelle génération. Il est plus que temps pour que nous prêchions Christ dans l'église. Nous. Le diable n'a pas de problème avec l'apôtre parce que tu as prêché. Yes. Mais plus grand problème que vous avez gagné à l'époque parce que tu as prêché Christ. Oh, amen. Au cas prêcher la Bible sans qu'on ne jamais prêcher Christ. Yes. On met pas la avec nous. Est-ce que vous l'avez? Amen, oui. Au cas prêcher la parole de Dieu sans qu'on ne prêche Christ. Alors, Christ, c'est la parole de Dieu, donc clair sur ça. Maintenant, prêcher Christ, c'est prêcher l'évangile. Qui bonne nouvelle qu'on annonce? Qui ça qu'on dit de Christ? C'est lorsque vous connaissez la personne de Christ et vous partagez avec l'autre monde, c'est à partir de là où son prédicateur de l'évangile. M'sati serviteur, je vais parler, c'est comme si vous redéfinissez ce qu'on appelle la bonne nouvelle, non? Exactement. Wow. Parce que une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui est capable de réconforter. C'est pas une nouvelle qui peut le pousser ou qui peut le faire courir, aller loin, qui peut et qui gagne toute première. Qui vous fait peur, par exemple. Exactement, qui vous fait courir. Vous prêchez l'évangile dans l'ancien temps surtout. Moi te dis quand dit ancienne génération fait un pile bien parce que c'est à cause de nous que nous là, c'est à cause de eux qui fait que nous là aujourd'hui hein, yes. Nous fait un pile mal tout parce que et gien un pile monde lorsque il a prêché l'évangile là, il montre que son bail qui totalement impossible. Gien monde gien prédicateur qui finit prêcher et puis gien monde qui dit bon finalement moi l'évangile ça son bail qui tellement difficile, moi obligé bail vague. Alors que Christ, lorsque Christ était dans le temple hein, il va le confirmer message d'émission sur terre hein. Il va ouvrir le livre comme dit le rouleau, il va ouvrir dans livre Ésaïe 61. Il va dire monsieur pendant m'a parlé là, l'esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel est sur moi. Amen. Il m'a oint gloire à Jésus. Pour qui ça? La première des choses que l'onction ligue mission pour le faire c'est pour porter la bonne nouvelle. Oh Saint-Esprit. Donc ou pas qu'ils sont détenteurs de l'onction sans qu'on pas prêcher l'évangile. Par exemple, il y a des gens qui ont fait plus de mal que de bien. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas une notion de connaissance de Christ. Lorsqu'on est Christ, la bonne onction, l'onction, c'est pour la mission. Quelle est la mission de l'onction? Wow. La mission de l'onction, c'est pour la transformation Amen. De l'homme à la statue parfaite de Christ. Oh, gloire à Jésus. Nous sommes bénis là parce que cette atmosphère a voulu changer. Et nous vraiment bail bon Dieu gloire pour un moment ça. Parce que ça est extrêmement important pour nous comprendre. Parce que ça la cause tout, même sur réseau. Yo. Exact. En pile fois, j'ai un message arrivé sur réseau, ça pote, ça compte pour un pile critique, ça compte faire conseil de monde. C'est comme si, au lieu pour t'a rapproché auprès de Dieu, yo éloigné de préférence. Peut-être même senti, j'en prie aller là, c'est comme si message là, t'as dû, j'en dis, non seulement bonne nouvelle, un message d'amour qui t'a dû attirer mon yo, les plus de Dieu que yo éloigné, yo, il me sentit vraiment, waouh, ça vraiment édifié nous. Mais, en fait, par rapport avec différents, parce que nous avons un sujet qui c'est différents combats, je ne vais pas mener. Est-ce qu'on ne pense pas que le conseil de bagaille qu'a fait, c'est même l'ennemi même qui derrière, ou bien c'est niveau combat même qui comme ça, qui permet que le conseil de bagaille, comme on est capable de dire, jeune, à vivre, ou bien pile fois même monde qui a prêché, il n'y a pas allé
dans la ligne que tu dois aller. Je peux dire, de base, c'est ennemi. Hein. Mais ennemi, il y a des facteurs que li souvent utilisés qui sont vraiment toxiques. Surtout pour ça qui est pour avec l'environnement. Nous avons des jeunes qui vraiment pas qu'à faire l'évangile ou bien qui vraiment ouais l'évangile difficile pour eux. C'est par rapport avec l'entourage. Donc, ennemi en passé dans l'entourage pour capable faire jeunes ça, ils sous-estiment tel yo. Pas oublier qu'il y a ça qui est la surestime de soi, l'estime de soi, la sous-estime de soi. Sous-estime de soi, elle est mauvaise. Surestime de soi, elle est mauvaise. Mais l'estime de soi, elle est bon. Wow. Parce que Maslow te dit l'homme besoin d'estime. Tout jeune besoin pour estimer, tête yo. Yes. Maintenant, qui ça le diable fait? Le diable fait, il y a des monde qui vraiment, c'est des pions que le diable utilise pour capable faire des jeunes sous-estimer tête yo, puis yo connaît que yo pas rien, puis yo connaît que yo trop jeune puis yo servir Dieu. C'est une raison qui fait que depuis l'époque de Jérémie ça a été en vogue, parce que Jérémie était jeune en pile, et puis bon Dieu fait appel à Jérémie. Bon Dieu dit moi relo Jérémie dit non, moi son petit monde, moi trop jeune. Moi même réponse que bon Dieu ba Jérémie, il dit Jérémie, ne dis pas que tu es trop jeune. Ça veut dire ça Jérémie dit en son vérité. Bon Dieu pas dit il son mensonge. Mais yes. Bon Dieu dit pigodis. Alors ça Jérémie dit en son réalité. Mais bon Dieu pas d'accord pour Jérémie exprimer réalité, parce que si bon Dieu relo c'est parce que il équipé. Amen. Mais Jérémie ouais dans jeunesse par rapport à entourage, c'est des anciens, c'est des moun li qui grand qui gagne gros qui a servi bon Dieu peut-être. Et puis Jérémie dit moi trop jeune pour me servir. Bon Dieu dit, hé hey Jérémie, ne dis pas que tu es trop jeune. Pour qui raison? Parce que côté l'onction de Dieu, il est déposé, il n'y a pas à faire d'âge. Yes. Dans le monde spirituel, il n'y a pas à rien à revoir avec l'âge, avec les familles qu'on fait, avec couleur, avec race, avec pays. Depuis l'onction, depuis son chair, l'onction qui a tombé sur. Depuis son monde, tout simplement, l'esprit de Dieu qui a tombé sur. Et lorsque l'esprit de Dieu est tombé sur, même, il a fait de grandes choses ensemble avec vous. Donc, pour me répondre avec question, hein, le diable pour beaucoup, mais utiliser en pile, ça crée l'entourage pour que les capables, faire en pile jeune, pas capable vraiment, soit rentrer dans l'appel ou bien manifester ça au gain d'un roi comme provision pour le monde. Donc c'est très important. Ça crée en passant, on a dit que et tout jeune qui l'a supposé faire un recyclage, vérifier l'entourage, parce que l'entourage qu'a destiné qu'au bralé. Et entourage ou qu'à destiner qu'on doit privé. Yes. Parce que la parole de Dieu est claire, tu peux le dire, les mauvaises compagnies. Corrompre les bonnes mœurs. Ou qu'il y a des gens qui disent influence pas changer le monde. Il y a des gens qui disent amis va gâter le monde. Tandis que et c'est un mensonge. Parce que la Bible montre clair que il y a des jeunes qui attendent nous là, qui n'ont pas qu'à faire l'évangile, c'est ses amis. Son groupe de monde, son groupe qui est rentré là-dedans, c'est un série de fréquentations que qu'il commence à faire, c'est à partir de là, et puis il va commencer à perdre la foi. Donc, il est vraiment important pour qu'un jeune qui veut servir bon Dieu, pour qu'il soit capable de faire sélection en ce qui a trait le choix des amis. Amen. Donc, nous sentons ce moment vraiment, ce moment béni. Mais comme on a parlé de combat jeune, yo a mené, est-ce qu'on peut partager avec nous, par exemple, qui est le plus gros combat ou mené déjà qui permet que vous et non seulement remporter la victoire, ou bien qui est le plus gros combat ou mené déjà qui permet qu'on subsiste ou qu'on rete dans la dimension qu'on rete. M'pa vle rentrer dans m'pa vle bon réponse pour parler de combat par exemple de en terme et il y a quoi c'est combat spirituel mais qui vraiment et m'pa vle aller direct sur un point mais pour moi-même k'ap di pi gros combat que moi mené et m'croi que en pile je n'ap mené dans moment son combat de la foi. Amen. Jésus-Christ dit, dans fin temps, est-ce que l'âme vient de la foi sous la terre de Dieu? Wow. Moi, songe lorsque moi t'ai venu ici en République Dominicaine, t'es grand peu monde qui était vraiment pas encouragé pour qui raison? Parce que on connaît les difficiles pour un jeune qui aime la foi Saint-Domingue. Wow. Des monde qui était triste, des monde qui était déconseillé par eux. Et puis moi-même, moi t'ai dit, bon Dieu en bagaille. Me dit Seigneur si que vraiment Saint-Domingue, c'est vraiment venu pour raison d'études, etc. Mais
pour confirmer que ou ensemble avec moi c'est pour kembe et c'est pour moun sa qui t'es douté de moi c'est pour ouais que c'est ou même amen qui t'es voyé Saint-Domingue puis yes. Lorsque yo après des années puis dit c'est de l'Éternel que cela est venu. Homme de Dieu, c'est Jean que moi te dit là lorsque moi venir ici bon Dieu kembe li fait ce que moi rentrer dans entourage et pendant plusieurs années n'a kembe dans la foi. Amen. Parce que c'est yon nan pi gwo combat un chrétien li ka mené surtout un jeune ou bien quel que soit chrétien son combat de la foi parce que li pas facile pour yon moun commencer bien pour finir bien. Mm-hmm. Ça fait li pas dépend de qui j'en commencer mais li dépend de comment finir. Comment finir. Donc yes. Le Seigneur pour faire grâce pour que moi kembe et malgré nous connaît que nous pas parfait grand pile faiblesse grand pile maintenant même qu'a dit jusqu'à présent nous qu'a crié Ebenezer et Ebenezer jusqu'ici l'Éternel nous a secouru. Ça veut dire en émotion combat de la foi chaque jour levé malgré conjoncture pays pas bon malgré peut-être des besoins qu'on gagne pas capable et ou pas capable ou pas atteindre ou de style quoi dit avec Jésus m'a avancé avec Jésus m'a capable. Avec Jésus-Christ, moi c'est un agent de changement. Avec Jésus-Christ, moi c'est un agent de réveil. Avec Jésus-Christ, moi c'est un agent de transformation. Chaque jour, n'a prononcé des choses bonnes sur vie nous, n'a prononcé la parole de Dieu et puis mais aujourd'hui, alléluia. Donc nous vraiment content on entre dans un sujet là qui est vraiment intéressant. Yeah. Alors, on touche un point là, donc tu es venu ici dans la République dominicaine, c'est en question d'étude. Exact. Mais est-ce qu'on peut partager avec nous en quelque part comment étude contribuer dans réussite ministère ou qui conseille tout peut-être au capoter avec jeune yo parce que n'a vive longtemps là tout faut que nous admettre ça côté que jeune yo découragé avec question étude surtout les haïtiens jeune yo pas trop intéressé encore avec étude donc n'a vive non vague côté que en pile moun yo s'est migré son vague migratoire qui est terrible c'est la cause grand pile tout qui déchu grand pile tout qui perdu la foi n'a vive un mouvement là comme haïtien qui vraiment terrible donc comme même on t'est fait le déplacement on t'est changé pays ou changé atmosphère bon Dieu fort grâce ou kembe la foi mais par rapport avec étude ou expérience ou fait dans terre étranger comment ça fait grandir plus. Ça, c'est un. Deux, comment étudier tout contribuer dans la réussite ministère? Tout d'abord, je me disais... Parce qu'avant, aller plus loin, il y a des gens qui font comprendre, c'est comme si on n'a pas fait ministère, ou pas qu'à faire étudier, et puis ministère ensemble. Yeah. Je me disais par rapport avec la dernière chose que vous mentionnez, je me disais honnêtement, c'est par rapport avec la révélation de Dieu. Parce que peut-être que les gens, bon, je me disais, alors, ils ont toujours fait étude, mais puis ils ont... comme si pigal li aller hors de appel li parce que gen moun bon Dieu permettre à ce que malgré ou dans le ministère et li possible li capable yon entrepreneur li ka dans le ministère li possible li ka peut-être yon professeur mais ça ka arrive gon temps bon Dieu ka mandé pour que li rentre à fond yes. Pour abandonner toute bagaille mais et bon côté pam m ka di honnêtement et par la grâce de Dieu moi j'ai toujours cru dans l'équilibre dans le ministère ou bien dans la vie en soi. Donc et qui peut-être grand plus jeune qui pas vraiment conscient de ça et équilibre moi quoi pour sur aller sur page Facebook moi marquer l'équilibre entre le social et le spirituel ça veut dire étant que jeune qui gon vision pour le réveil final parce que nous croyons dans ça en pile et nous croyons dans Joël 2:28 en pile mais moi crois que faut nous apprendre faire la part des choses moi c'est un humain bien on cap dit disons moi son esprit qui n'ont encore qui possède un homme. Yes. Mais moi bien dit son esprit qui n'ont encore. Donc l'esprit réglé à faire l'esprit. Amen. Corps réglé à faire corps. Corps. Yes. Ce qui implique le corps les concerner la société. Mm-hmm. Donc dans la société que nous vivons, nous avons un ensemble de bagages qui est important pour que nous connaissions parce que nous vivons dans milieu côté que l'autre monde pareil nous gagne monde qui pas chrétien gagne monde qui chrétien gagne monde qui fait des études etc. Donc moi crois que par rapport avec mission que bon Dieu gagne pour chaque monde et en fonction de niveau de connaissance monde bon Dieu gon dimension impact que il fait avec monde ça. Amen. Voilà pourquoi il est important pour que toute jeune croit non seulement dans la spiritualité mais encore dans le social. OK. Et moi un bon côté pam
on cap dit que étude l'année est démampile parce que lorsque vous allez à l'université surtout une série de choses qu'on apprend et gen bagay la vie qu'on apprend nous gen bagay famille qu'on apprend nous mais gen bagay c'est l'école pour chita pour apprendre. Yes. Donc les vient faciliter beaucoup plus pour que moi comprenne bon Dieu dans une dimension qui est beaucoup plus avancée. Si n'a pas songé bien je crois que dans 2 Pierre si je ne m'abuse Paul Pierre parlait de ça il dit après la foi ajouter la vertu. Yes. Avec la vertu ajouter la science. Amen. Ça veut dire gon liaison entre la foi, la vertu et la science. Donc il y a monde qui dit non si que dans le ministère, c'est que dans la foi. Mm-hmm. La science pas trop important, ça veut dire la connaissance pas trop important et qui pas vrai du tout. Mais pour moi même au contraire, lorsque dans le ministère c'est moment ça même où tu as dû gain connaissance ou en pile bagaille. Ou t'as dû former tête davantage, ou t'as dû apprendre davantage. À moins que ce soit pas l'apprendre dans la volonté de Dieu. Mais Pierre, clair sur ça, il dit, même si tu as la foi, ou tu dois ajouter vertu. Vertu même si tu as la vertu, il faut qu'on ajoute la connaissance. C'est parce que depuis le monde des mondes, ou bien depuis après le péché, d'Adam et d'Ève, le monde condamné sous sacré le mystère de la connaissance. À cause que monsieur dame mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Yes. Donc living en condition sine qua non vivre dans terre ça pour survivre selon Dieu ou supposer gain connaissance non seulement spirituelle mais au point de vue social. Tout dépend de canal que bon Dieu lui couler avec vous selon ça l'esprit de Dieu lui oriente. Donc yon jeune qui a toujours gain onction mais lui a étudié. Yon jeune ou bien yon chrétien bien entendu qui a toujours homme de ministère mais li gen business li sont entrepreneurs entrepreneur li kap gen compagnie li kap gagne kap gen des monde qui a travaillé ensemble avec lui malgré dans le ministère. Donc ça c'est équilibre et pour moi finir avec question hein, ou après grand pile monde qui pas croire dans homme de Dieu mais qui parle en pile homme de Dieu mal ou kap toujours dans le ministère et puis ou a fait des œuvres dans le monde séculier. Ou quand toujours dans le ministère, ou gain business, ou quand toujours dans le ministère, ou sont entrepreneurs, ou quand toujours dans le ministère, et puis ou a fait des œuvres sociales. Gain plus l'homme de Dieu, j'ai commencé à ouvrir en Haïti. Je comprends que ka pasteur, mais moi écrit livre. Ka pasteur, moi gon maison d'édition. Ça pas déranger la spiritualité. Comprendre à moins que bon Dieu t'a interdit, ou parce que gain des monde, bon Dieu, et peut-être m'ka dit catégoriquement interdit pour faire une série de bagailles. Mais par contre, lorsque vous êtes un monde qui est formé ou gain connaissance, vous transcrire la connaissance et pour partager avec l'autre monde. OK, il y a des hommes de Dieu qui mettent un message sur ce dit, vous comprenez? Et l'autre monde bénéficie même parce que moyen qui est beaucoup plus important lorsque vous écrivez un livre et moi parce que tout ça c'est des moyens qui permettent à ce que un homme de Dieu, bon Dieu comme si étant ministère qui il aller beaucoup plus loin ensemble avec lui. Parce que tout ça yo fait partie de la science. Alléluia. Nous bénissons mon Dieu. En tout cas, n'a dit tout le monde tout également qui suit avec nous. C'est pas seulement évangéliste, mais c'est un ingénieur civil. Alléluia. Amen. David dit ou quand évangéliste ou ingénieur, ou quand évangéliste ou son médecin, amen. Ou quand évangéliste ou son économiste. Exactement. Donc être chrétien pas veut dire ou pas obligé à abandonner l'école ou obligé par pas qu'à faire de grandes études. Être chrétien pas éliminer dans le monde. Yes. Social ou bien c'est dire comme ça. Amen. Ça veut dire gien l'évangile faire nous comprendre puisque c'est chrétien dans ciel pour aller ça va passer sous terre pas intéressant. Wow. Ça fait grand pile chrétien qui fait mon expression qui m'en fout bien ou bien qui puisque c'est chrétien dans ciel pour aller yo par contre qui gens pour parler avec monde. Et même si gen fatra bon la caillou ça pas concerné parce wow. Que c'est la caillou c'est le ciel comprendre et m'te même temps yon serviteur qui dit ça ça gen plusieurs années et puis il dit bon mon cher serviteur Jésus-Christ va retourner mana faire l'école encore. Wow. C'est toute une aberration. Quel gâchis. Au contraire puisque Christ a retourné m'a prêché l'évangile même pas aller l'école. Yes. Parce que nous ne savons ni l'heure ni le temps ni le temps nous pas connaître ni le jour. Donc et tout autant un jeune qui a préparé m'pense que c'est tranche d'âge pour un monde préparé c'est dans période jeunesse non. Yo dit que pour gagner une bonne vieillesse faut que tu aies un jeunesse qui préparé. Si tu pas préparé dans jeunesse ou va crier quand même.
Ça veut dire un jeune supposé équilibré ou cas toujours spirituel ou parler en langue bla 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 mais comme ça tout OK ou cas former ou cas faire des conférences et ou cas gain business ou cas travail ou cas gain des employés il va déranger la spiritualité. On va son le n'a tourner pour venir parler de chrétien et société. Et société parce que ça extrêmement important pour montrer impact chrétien. Comment chrétien doit intégrer, comment chrétien doit participer, comment chrétien doit et rentrer dans ces deux domaines pour ne pas laguer seulement aux païens ou bien avec les gens qui pas gain Christ. Lorsqu'on sait deux domaines nous laguer seulement dans les païens, c'est corruption sous corruption. Exactement, si nous prenons le cas d'Haïti. Haïti qui tombe dans pétrin ça c'est pour quelle raison? Parce que dans le temps, il était considéré que chrétien pas de faire politique. Chrétien pas de jouer en série de postes, en série de rôles. Ça ne fait que c'est des gens qui corrompus qui jouent. Si que des gens corrompus li a travaillé dans un poste, automatiquement faut que poste en corrompu. Waouh, mais c'est sujet ça faut venir parler de lui parce que me sentir grand pile bagaille que nous devons dire ou bien que nous devons partager. Mais c'est nous pour terminer mais comme évangéliste est-ce qu'on peut partager surtout avec nous bon, pas avec nous mais avec tout l'autre monde qui va regarder show donc 3-4 raisons qui t'a dû faire ou venir Christ. Numéro 1, il y a un monde qui doit venir en Christ parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Wow. Amen. Il y a un animal, comme on dit, il y a un bourrique ou bien il y a un mouton, il y a un coq, si il mourit, je dis, il n'y a pas de compte pour le renne. Parce qu'il n'est pas fait à l'image de rien. Wow. Dieu en prend poussière et puis il fait, bon Dieu en comme on dit, parler tout simplement, il fait le monde. Et tout ça qu'il a donné. Mais ou même qui a regardé l'émission, ça, bon Dieu, pas seulement parler, bon Dieu, il dit, formons l'homme. Donc, c'est toute une concertation entre le Père et le Fils, le Saint-Esprit. Ils ont mis tête ensemble, ils ont dit, on fait des choses. Et ça, on a fait à l'image, nous, avec ressemblance, nous. C'est pour dire que quel que soit le monde qui vive depuis, ou fait de sang et de chair, ou intéressé, bon Dieu. Ça, c'est une raison ultime. Que vous devez by Christ la vie ou parce que vous faites à l'image de Christ. Tout simplement, la différence entre vous avec Christ, c'est parce que vous déconnectez par rapport avec la présence de Dieu. Par rapport avec Adam qui était péché dans le jardin, vous êtes dépourvu de la grâce de Dieu. Et donc, vous dites entre parenthèses, ou son non chrétien. Mais le jour où vous by Christ la vie, vous avez une origine. Vous avez une qui veut qu'on origine, c'est Christ. Wow. Ou je viens de sousou. Amen. Parce que le mot hébreu bien grec, là, c'est Abba qui veut dire père. Père qui veut dire sous. Yes. Donc, lorsque un monde lit, je viens de bon Dieu, il joue sous. Oh my God. Et lorsque je viens de sous, lorsque je viens de sousou, pas un échec pour parce que il dit celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Wow. Parce que Dieu, c'est un sous, Abba. Ou même lorsqu'on était à sous ça, quand on passe, c'est de l'eau qui jaillit de la lumière, qui jaillit la vie. Donc, il est important pour que vous, by Christ, la vie, parce que vous faites à l'image de Dieu. Deuxième des choses, il est important pour by Christ, la vie, parce que Christ a un bagage que vous voulez faire avec vous pendant que vous vivez sous terre. Tout humain qui est sous terre, ou pas là par accident, ou pas là par chance, c'est pour une erreur que mon Dieu fait qui fait que vous mettez sous terre. Les métaux avec un but bien déterminé. Donc, pour qu'on ait une vraie mission sous terre, il faut qu'on attache avec vrai sous-sous numéro un. Lorsqu'on finit attaché avec vrai sous-sous, on peut avoir une vraie mission. Et deuxième et dernière des choses, c'est que lorsque on a une mission, pendant qu'on a une crise, on a une garantie la vie éternelle. Wow! Il y a des gens qui ne vont pas croire dans ça. Ça, c'est un sujet qui est très important. Il y a des gens qui même dit monde ça pas fini, monde ça pas passer. Quelqu'un qui même dit la enjoy tête li, la joui la ville. Wow. C'est je le voyais le compter, c'est pas vrai. Il y a un jour final qui vient pour arriver. C'est seulement monde qui était en Christ qui a gain accès pour y aller vivre une éternité bienheureuse. La Bible déclare. Amen. Pour me terminer dans Apocalypse 20 le verset 15, il dit quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Amen. Fut jeté dans les temps de feu. Donc, quel que soit monde en bon créole qui n'a pas inscrit dans le livre de vie, il y a un seul
route qu'il a pour pas gagner réfléchir est-ce que me ca fait la gueule ou bien est-ce que me ca pas chance pas gagner c'est pas nos vivants pour bailler Christ la vie pour ca épanier de l'étang de feu éternel ça. Alléluia. Amen. Nous venons dans bon Dieu, nous sentir réellement la grâce à couler pendant qu'on parle à serviteur. Donc, moi, c'est nous, le a vraiment arrivé pour nous capables de camper, pour nous finir. Même par qu'on est quelque part, sous quelques derniers mots ou bien derniers messages, surtout avec chaque grand monde qui peut regarder Shoah, païen ou non, ou chrétien, quel que soit le monde. Par contre, sous des derniers messages, un dernier mot que tu veux partager par rapport avec surtout Jean. Ou défini de ta part la bonne nouvelle, surtout Jean bon Dieu fort grâce pour comprendre ça que la bonne nouvelle, parce que tu as parlé d'un thème qui est extrêmement intéressant, tu as l'œil qui c'est dénonciation et l'annonciation. Wow. c'est extrêmement fort, qui est extrêmement puissant. Et c'est son révélation qui se tient là. Et même Jean-Jésus t'a parlé à monsieur, t'a dit monsieur que qui est-ce nous dit mieux. Et monsieur t'a le prince à l'autre monde t'a dit. Et ça fait me sentir quel que soit monde bon Dieu relé ou doit une révélation tout personnel de Dieu. Donc et Pierre t'a pas le joindre une révélation. Et Jésus t'a pas dit Pierre parole ça est par la chair et le sang. Me senti qu'un bagage qu'a dit c'est pas la chair et le sang qui a révélé yo, mais c'est Dieu le Père, c'est pas qu'a sorti directement dans le troisième ciel. Donc dans ce sens, pas qu'on est sur un message spécial ou bien un bagage spécial ou t'a voulu lancer surtout avec moun par rapport avec Jean qui tendait l'évangile déjà qui fait au courir, qui fait aller loin. Donc comme évangéliste, comme un monde qui porte un message différent, nous t'apprenons mais ou partager quelque chose et ensemble surtout ensemble avec moun ça et puis après ça pour une fin. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le verset, ça a deux mots qui sont importants. Il y a l'amour et il y a Jésus. Bon Dieu, si tellement aimé le monde, il y a Jésus. Donc, la plus grande preuve qui confirme que bon Dieu aimé tout le monde qui a regardé l'émission, c'est parce que y a un don qui t'est fait. Wow. À cause de l'amour de Dieu pour vous-même, il y a un plus précieux pour l'IA. Wow. Est-ce que tu as connais si la présence de Dieu ou bien encore la présence de Jésus-Christ pas dans le ciel va être là? Hein? Ça qui fait le ciel, c'est la présence de Dieu. Wow, c'est une révélation, oui, là. Ça qui fait le ciel, gain sens, tout le monde en vie dans le ciel, c'est à cause de la présence de Dieu ou encore la présence de Jésus. Ça qui est plus précieux pour mon Dieu, c'est Jésus, il y a pour le gagner. Donc, si que ou gain Jésus automatiquement ou gain la vie éternelle. Donc moi je voulais attirer attention yon moun ki ap suiv pou me di que peu importe ça ko ou ap konnen comme difficulté par rapport avec péché ko fè, fanmou ko ou fèt, moi di que gon l'amour qui suspendu sous tête ou gon cœur qui suspendu. Wow. C'est le cœur de Dieu. Oh, parce que goodness. Dieu est amour. Ou konn pou ki raison que fait trompette nan vos sonner malgré tout ça fait au bon Dieu qui bon Dieu va faire bon Dieu grand espoir que ça qui suspendu sous tête toi on le la rentrer dans cœur pour le foncer ensemble avec alléluia bon Dieu patient pile il dit Dieu ne s'en tenir compte des temps de l'ignorance tant ignorance sur bon Dieu pas tenir compte de ça si que jodi en même on prend décision pour venir joindre Christ parce que Dieu c'est l'amour bon Dieu veut foncer ensemble avec vous bon Dieu veut pour connaître et bon Dieu veut pour que lui elle vive éternellement ensemble avec vous. Voilà pourquoi il dit l'église c'est l'épouse de Christ. Oh. Parce que dans l'épouse où est ce qu'on appelle l'intimité. L'intimité. Dans la vision bon Dieu pour l'humanité, c'est où elle gagne l'humanité bon côté. Wow. Pour la passer maintenant tête nous. Oh, gloire à Jésus. Pour la nature soumettre avec nous, quel pour lion yo soumettre avec nous, pour pied bois yo, pour de l'eau yo, tant des voix nous lorsque nous parler même Jean Adam au préalable avant de pécher. Il était gain droit sur toute bête yo, il était capable parler avec eux, il était capable parler à couleuvre, il était capable parler avec tout animal yo. Donc la vision de Dieu pour le monde, c'est un jardin. Dans le commencement monde là, bon Dieu commencé dans un jardin. C'était jardin d'Éden. L'enlèvement fini pour aller dans l'autre jardin qui a venir, c'est la nouvelle Jérusalem. Ça Adam t'est échoué dans première mission hein. Le second Adam qui est Jésus-Christ qui c'est l'amour n'a partagé là, il est prêt à réussir et prêt à gagner une nouvelle société, prêt à gagner un nouveau monde
côté que tout le monde peut vivre avec bon Dieu dans l'amour, pas de guerre, pas de jalousie, pas de méchanceté, pour un nouvel monde, pour un nouveau monde, pour une nouvelle personne. Et m'invite à faire partie de l'amour ça. Et ou même qui chrétien déjà m'a dit que c'est le temps de rentrer dans la consécration. C'est le moment pour entrer dans l'intimité avec Christ. C'est le temps de vaquer à la prière. C'est le temps de vaquer à la prière. Wow. Tout le monde qui est chrétien, qui a attendu l'émission, qui a regardé l'émission, le Seigneur voulait pour mener une vie d'intimité avec lui. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un programme spécial pour la vie. C'est seulement le monde qui est intime qui connaît le secret de l'autre monde. Si vous n'êtes pas intime avec lui, il y a des secrets, vous n'avez pas besoin de connaître. Donc, il est important pour entrer dans l'intimité avec Christ. Alléluia, nous sentons bénis. Même si nous avons des choses avant nous aller, nous avons mis fin également. Amen. Nous sentons l'étape nécessaire pour bénir quelqu'un dans la prière finale. Là, alléluia. Avant que nous finissions, comme c'est prière finale, nous sentons la nécessité pour déclarer quelque chose. Amen. Avant de marquer également la fin tout, et certainement, nous croyons que toute déclaration pour le faire, pour l'impacter, pour le changer, pour le transformer. Quelque vie par rapport à l'investissement bon Dieu fait sur la vie. Ça fait nous t'apprenons même que c'est ou même avec déclaration et prière finale ça nous mettez fin pour aujourd'hui parce que certainement nous croyons ça c'est le numéro 1. Alléluia. Mais nous croyons bientôt bon Dieu permettre que numéro 2 les sorti. Donc nous vraiment bénis serviteurs pour le moment. Gloire nous bâillons bon Dieu gloire, nous bon Dieu levé. Nous sommes certains que chaque grain de monde qui va le garder moment ça il va le bénir, il va édifier tout. Amen. Également parce que même je serviteur Tabdil apôtre Pierre le jour de la Pentecôte Tabdil la promesse est pour vous. Pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin en aussi grand nombre. Alléluia. Que le Seigneur Jésus les appellera. Amen. Nous bénis nos bon Dieu, nous sentons son joie, c'est son fierté. Alléluia. C'est son grâce spéciale. C'est pas un côté où capable plus bien, où capable non, plus non, non. Heureux. Que dans la présence de Dieu. Ça fait quel que soit le monde qui peut rentrer. Nous invitez-nous. Yes. Vini. Parce que certainement, Jean, serviteur d'Abdila, de pour connecter dans la source là, ou absence ou bien. Pas aucun autre côté ou ka bien. Grand pile monde qui a grand pile l'argent, ka grand. C'est pas parce que nous retirer bagay sa ou. Non. Mais nous voulons tous ou gen l'argent seulement, ou pas gen Jésus. Ou pas gen Jésus. Ou man bagay. Ou pas gagner. Alléluia. Serviteur, bon Dieu béni, nous te content. Merci parce que tu recevoir amen. Et tu es d'accord venir pour partager un peu pour te bénir. Père bon Dieu qui va le garder avec tout l'autre monde également qui va le garder moment ça. Bah c'est nous quitter et dernier moment en main avec quelques moments déclaration et une prière finale pour bénir chaque grain de monde qui prend le soin pour arriver jusque là ensemble avec nous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Dieu. Encore avant que nous prions, profiter de l'esprit de Dieu, grand merci. Parce que l'été fait choix de nous comme un intervenant ou bien comme un invité d'honneur pour l'émission Silla. Donc, nous vraiment contents pour que nous soyons capables sous plateforme sa journée jeudi. Hein. Donc, nous allons prier. Si il y a un monde en passant qui t'a voulu faire la paix avec Christ, il a écrit en commentaire, écrit oui, moi voulu accepter Christ, moi voulu faire ça. Et puis, nous sommes capables de rentrer en contact ensemble avec vous. Sous café mes yeux de là où vous êtes. Nous allons prier le Seigneur et nous croyons que le Seigneur lui va faire de grandes choses pendant que nous allons prier. Nous croyons que lorsque la grâce impose, l'onction n'a pas de frontières. Amen. Alléluia. La Bible déclare là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Il dit là où est l'esprit du Seigneur, ce qui veut dire c'est pas forcément dans un chancaille, c'est pas forcément dans une toute tête en montagne, c'est pas forcément dans l'église. Il dit là où est l'esprit du Seigneur. Qui est-ce qui porte l'esprit du Seigneur? Ce sont les serviteurs du Seigneur. Yes. Donc, puisque moi porter l'esprit du Seigneur, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Est-ce que tu as fait mes yeux, Kounia même, dans le nom de Jésus-Christ? Yes. Père de grâce, dans le nom de Jésus-Christ, moi longe même, moi connecté avec l'homme de Dieu, le prophète Abdias. Et nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit le monde qui était vraiment sous l'emprise des esprits impurs, qui branchait direct ça, et bien moi décrété et moi déclaré, dans le nom puissant de Christ Jésus, c'est le temps de la libération, c'est temps de libération, c'est temps de délivrance. Et moi déclarer quel que soit l'homme qui était enchaîné, parce qu'il y a des esprits impurs qui ont une mission pour marier le monde dans le pied bois,
pour Marimoun dans Trou Roche, pour Marimoun dans Calbas, moi longer main et kounya kotori à moi localiser, moi déclarer ou nul et sans effet, moi déclarer ou réduit à l'impuissance, moi déclarer alléluia ou renversé car il est écrit les armes avec lesquelles que nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes, alléluia, par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. À l'instant même, à l'heure ça va regarder émission ça, gon forteresse qui a renversé kounya. Amen. Moi pas supplier aucun esprit impur, mais moi ordonné par l'onction et la grâce qui m'a été conférée en Christ, je décrète et je déclare sois libre maintenant, nom de Jésus. Sois rempli de la grâce maintenant, nom puissant de Jésus. Moi déclarer pendant que alléluia, on va plonger mes doigts tout, c'est pour la main de Dieu déposée sur tête kounya. Yes. Koto yeya mandé que vie qui dans Christ là, alléluia, que traversé. Et c'était un monde qui perdu connexion avec bon Dieu, ou t'es l'église longtemps, ou t'es qu'on a persévéré longtemps, ou perdu consécration, ou perdu connexion avec Dieu. Amen. Kotoye ya mandé que gon fort mouvement de l'esprit qu'on y a même qui relâché. Amen. Et qui tend sous même qu'on y a même côté kotoye ya dans le nom puissant de Jésus-Christ. La grâce lui imposée qu'on y a, pas de frontière, pas de limite, ou même qui Brésil, ou même qui Chili, ou même qui États-Unis, ou même qui Mexique, Kotoye, Kounya même, l'onction de Dieu arrive sur vous-même. Votre présence qui rentre la carrière Kounya même. Votre présence qui peut être vue Kotoye, votre présence qui relâche Kotoye. Non puissant de Jésus. Reçois cela. Non puissant de Jésus. Alléluia. Oh, mon béni nom, Seigneur. Pour tout nom, ça, qui restaure à partir d'aujourd'hui. De la même manière que David lui dit, il restaure mon âme. Amen. Merci pour non jeune fille ça, jeune garçon ça, dame ça, serviteur ça, pour restaurer. C'est pour ville, pas jamais même gens encore. À partir de jeudi, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Non, bye mon Dieu. Wow. Gloire, merci Saint-Esprit. Amen. C'est ton moment béni. Serviteur, mon Dieu béni. Gloire pour Jésus. Grâce à vous. Je suis content de vous dire ensemble avec vous. Alléluia. Espérez dans deuxième occasion. Amen. Non, mon Dieu béni. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous remercions chaque monde qui était connecté ensemble avec nous. Et rendez-vous pour une autre édition, pour un autre moment. Restez connectés. Bon Dieu béni. Alléluia. Shalom, shalom.